Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là, présent dans ce lieu. Et nous voulons bénir ta présence dans ce temps. Nous te demandons que c'est toi qui commences à conduire ce temps de parole. Je libère maintenant la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Et je déclare maintenant un temps de gloire dans ta parole. Je déclare maintenant que c'est toi qui changes nos cœurs et qui nous amène dans ta dimension. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous puissions ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, au chapitre 14 et au verset 15. Jean chapitre 14 et au verset 15, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Jean 14, verset 15. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives de manifester à nous et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui faire notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela cependant pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisse la paix. Mais moi je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit que je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Nous allons encore ouvrir notre Bible dans le livre de Jean 16, verset 5. La Bible nous dit la chose suivante. Maintenant, je vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Jésus nous parlera de quelque chose de spécial et de particulier. Alors que Jésus était sur la terre, Jésus a manifesté un temps de gloire au niveau de ses disciples. Mais la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors que Jésus est arrivé à l'apogée de sa gloire, que les disciples ont vu ces miracles, les disciples ont vu la puissance, les disciples ont vu la gloire. La Bible nous dit que Jésus leur dit que c'est un temps maintenant où il doit partir, un temps où il doit quitter cette terre pour retourner au ciel. Et c'est là, dans ce temps, que la Bible nous dit que les disciples ont commencé à être attristés. Les disciples se sont posé la question, mais comment allons-nous continuer?
à propager un message sans l'auteur du message. Et Jésus leur dit, cependant, il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne peut pas venir. Dans les textes originaux, on nous parle du Paraclétos. Quand on nous parle du Paraclétos, quand Jésus nous parle du Paraclétos, cela voulait dire une autre personne, de la même nature que lui, qui viendrait faire le travail que lui fait sur terre. Et quand il nous parlera de lui, il nous parlera de la personne par absolu, de celui que nous devons adorer, de celui que nous devons rechercher, de celui que nous devons acclamer, de celui que nous devons avoir une intimité profonde. L'apôtre Paul, quand il parlera dans les lettres, dans chacune des lettres, il nous dira que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous savez, le jour où nous arriverons au ciel, nous ne serons pas... Dieu ne regardera pas simplement le nombre de prières que nous avons faites, c'est ça qui va nous valider le ciel, mais ce que le Père regardera, c'est le nombre de temps que tu as pu passer dans la présence de Dieu, accompagné du Saint-Esprit. Le nombre de temps où tu as commencé à être en communion avec lui. Le temps où tu as décidé de vouloir rechercher la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit quelque chose de grave. Il a dit le plus grand péché qui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et dans les textes originaux, quand on nous parle de blasphème contre le Saint-Esprit, les textes originaux nous disent de vivre chaque jour comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne, de ne pas rechercher le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, on nous parle du Saint-Esprit comme d'une puissance, on nous parle du Saint-Esprit comme d'un don, on nous parle simplement, on nous met l'action simplement sur le parler en langue, mais on oublie que le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue, mais que le Saint-Esprit est une personne que nous devons rechercher. Le Saint-Esprit est une personne dans laquelle nous devons l'adorer. Le Saint-Esprit est une personne que nous devons soupirer après lui, parce que c'est lui qui nous révèle les mystères du ciel. Sans le Saint-Esprit, tu peux connaître toute la Bible. Tu peux connaître la Bible sur le bout des doigts, tu peux connaître tous les écritures de la Bible, mais sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître le mystère de la révélation. Sans le Saint-Esprit, il est impossible même de connaître les choses du Père, les choses du Fils. Parce que la Bible nous dit qu'il viendra. Jésus a dit que quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi, il prendra de ce qui est du Père, et vous l'annoncera, et vous l'amènera. Et le Saint-Esprit amène cette révélation seulement à ceux et celles qui sont prêts à le chercher. Seulement à ceux et celles qui sont prêts à avoir une intimité avec lui. Seulement à ceux et celles qui peut-être le matin quand ils se lèvent vont commencer à lui dire, Saint-Esprit, viens, je veux passer un temps avec toi. Je veux commencer à adorer ta présence. Je veux commencer à te rechercher. Et je veux commencer à voir que ta gloire commence à descendre sur ma vie. C'est seulement comme ça que nous pouvons voir le temps de gloire. C'est seulement comme ça que nous pouvons commencer à grandir. Moi-même, alors que j'ai commencé dans ma foi, dans ma vie chrétienne, quand j'avais commencé, je n'avais pas tout de suite connu la dimension du Saint-Esprit. Mais en 2008, alors que j'ai commencé à chercher par la prière, par le jeûne, par une détermination, j'ai connu à ce moment-là la personne du Saint-Esprit. Avant cela, j'avais connu les dons du Saint-Esprit. Je pouvais manifester les 9 dons de l'Esprit les uns derrière les autres. Et quand Dieu m'a donné les dons de l'Esprit, c'était quelque chose de bien. Et je bénis Dieu pour les dons de l'Esprit. Mais quand j'ai connu la personne, j'ai connu que la personne est plus importante que les dons. J'ai connu que la personne du Saint-Esprit est plus importante que le parler en langue. J'ai commencé à saisir que la personne du Saint-Esprit est quelque chose qui est de plus cher pour chaque personne qui sont prêts à franchir ce pas. On peut aimer les dons et passer à côté du ciel. La Bible nous dit, un jour, il y aura des hommes, des femmes qui diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Cela, on nous parle des dons spirituels.
Mais la Bible dit que le Père leur dira à certaines personnes en ces jours-là, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Comment Dieu peut dire qu'il ne connaît pas des hommes qui parlent en langue? Comment Dieu peut dire qu'il ne connaît pas des hommes qui prophétisent? Comment Dieu peut dire qu'il ne connaît pas des hommes qui, en son nom, guérissent le malade? C'est à cause de l'intimité. C'est à cause de la connaissance. Il y a un temps où le ciel est encore ouvert jusqu'au jour où Jésus va revenir chercher son Église. Et dans ce temps, Dieu est en train de voir qui est prêt sur la terre à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Qui est prêt sur cette terre à connaître le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas intimidé par les dons, parce que le Saint-Esprit donne les dons à tous ceux et celles qui acceptent Jésus et reçoivent des dons plus ou moins importants. Mais ce n'est pas les dons qui vont déterminer ton accès au ciel. Mais ton accès au ciel, c'est combien de temps ai-je commencé à découvrir le Saint-Esprit? Combien de temps ai-je commencé à découvrir sa personne? Combien de temps ai-je commencé à le rechercher? La Bible nous dit que Dieu se cache pour voir qui c'est qui va le chercher. Qui c'est qui va commencer à aller jusqu'à le trouver et jusqu'à expérimenter quelque chose de glorieux avec lui. Combien de temps, combien de fois es-tu prêt à chercher Dieu? Peut-être dans le jeûne, dans la prière. Combien de fois es-tu prêt à chercher Dieu alors que tu es seul? Vous savez, quand on est tous ensemble, c'est facile de chercher Dieu ensemble. Mais quand tu es dans ta maison, quand tu te retrouves seul, quand tu te retrouves dans la chambre, est-ce que tu es prêt à prendre ce temps? La Bible nous dit que le Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus a dit que le Père qui voit dans le secret, il n'a pas dit que le Père qui voit dans l'assemblée, il n'a pas dit le Père qui voit dans la multitude. Le temps où nous venons dans l'assemblée est une bonne chose, parce que le temps où nous venons dans l'assemblée est un temps qui nous rebooste, un temps qui nous fortifie, un temps qui nous prépare à aller dans une nouvelle gloire. Mais le temps que tu passeras seul avec Dieu, tu ne peux qu'être seul. Le temps que tu dois prendre avec Dieu dans ta chambre, c'est toi qui dois le prendre seul. Et si tu ne prends pas ce temps, vous savez, des fois on peut avoir mille et une excuses. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune excuse devant Dieu pour prendre du temps seul avec lui. Il n'y a aucune excuse devant Dieu. Parce que personne ne peut nous empêcher de prendre ce temps. C'est nous-mêmes des fois qui sommes peut-être un peu trop fainéants. C'est nous-mêmes qui sommes des fois un peu trop appesantis. À un moment, l'apôtre Paul nous expliquera pourquoi les hommes sont appesantis. Alors qu'il parlera à une église, il a dit, « Je crains que votre esprit ne soit appesanti à cause des plaisirs de la nourriture. À cause des excès de table, à cause des excès du boire ou de manger, notre esprit peut s'appesantir. Surtout ici, nous sommes dans un pays où il fait bon vivre. Où on a des plats succulents, où on peut manger 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Mais des fois, cette nourriture nous appesantit. Et le diable l'a bien compris. Il a bien compris que si les hommes et les femmes mangent beaucoup, ils ne vont pas s'occuper de leur spiritualité. Et ça, il l'a compris dans les pays soi-disant développés, où les médias ne cessent de nous dire qu'il faut manger 3 repas par jour, où on essaye de nous dire qu'on doit manger tant et tant, tant et tant, tant et tant. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est notre esprit qui est en train de s'alourdir, et c'est notre esprit qui est en train de mourir à cause qu'on engraisse seulement notre corps. Le peuple juif avait une recommandation de la part de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, de jeûner 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, tout le peuple juif jeûnait, jusqu'à encore aujourd'hui, il jeûne 2 jours par semaine. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le jeûne purifiait leur corps, mais aussi purifiait leur esprit. Et dans le temps du jeûne, alors à ce moment-là, on peut aussi se souvenir de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont pas à manger, de ceux qui sont dans le dénuement. Et on peut penser à eux et aussi bénir Dieu et adorer Dieu. Et quand nous commençons à comprendre cette dimension de réalité,
J'aimerais te dire que ta foi va commencer à être revitalisée. Chaque fois que tu te dis, ouais, je n'arrive pas à prier. Chaque fois que tu te dis, je n'arrive pas à passer du temps avec Dieu. C'est que quelque chose d'autre est passé avant. C'est que tu as mis un intérêt pour quelque chose d'autre. Et si on a mis un intérêt pour notre corps, eh bien, il est vrai qu'il n'y a plus de place. Vous savez, dans notre temps, il y a un temps pour tout, la Bible nous dit. Et j'aimerais vous dire qu'il y a chaque chose à sa place. Et que quand tu fais un excès de quelque chose, tu n'auras plus le temps pour une autre chose. Si nous faisons des excès de nourriture, nous n'aurons plus le temps pour la prière. Et notre esprit sera tellement alourdi que nous n'arrivons même pas à prier. Mais si tu commences à voir que tu n'arrives plus à entrer dans la présence de Dieu, alors accepte de faire un sacrifice et dis, Seigneur, demain, au lieu de manger 4 fois ou 3 fois, je mangerai peut-être 2 fois ou 1 fois. Mais au lieu de manger, je vais passer du temps dans ta présence. Au lieu de manger, je vais appeler ta présence qui vienne me toucher. Vous savez, il y a alors que les croyants du monde entier croient que le ciel est toujours ouvert. Le ciel n'est pas toujours ouvert. Pourquoi je dis ça? Parce que si je vous dirais que le ciel est toujours ouvert, ça voudrait dire que n'importe quelle prière est exaucée. Mais quand on regarde le nombre de prières que les croyants font et le nombre d'exaucements, nous comprenons une chose, c'est que le ciel n'est pas toujours ouvert. Alors, Dieu nous a donné une clé pour que nous puissions voir le ciel ouvert sur nos vies. Alors que le prophète Élie était sur la terre et qu'il était confronté au prophète de Baal, voici, il nous donne la clé. Il a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Il a dit, l'exaucement qui vient de Dieu, l'exaucement qui vient du trône de Dieu, quand le feu va tomber sur l'autel, ça c'est l'exaucement de Dieu. Et si vous voyez, si vous commencez à regarder, alors que les disciples ont prié à la chambre haute, le feu est descendu encore. Et nous avons besoin de prier pour nos exaucements jusqu'à ce que le feu du Saint-Esprit descende. À un moment donné, alors que nous sommes dans le temps de prière, le ciel s'ouvre et le feu descend. Alors Dieu, des fois, nous fait la grâce que le feu descende tout de suite. Mais tout le temps, Dieu ne nous fait pas tout le temps cette grâce. Parce que Dieu veut des fois que nous persévérons. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne nous parle pas de la prière du juste qui a une grande efficacité. Il nous parlera de la prière fervente. La prière avec la persévérance. La prière avec l'audace. La prière déterminante qui prie jusqu'à l'exaucement. Cela a une grande efficacité. Cela a une grande efficacité. Et quand nous commençons à continuer à persévérer, si vous alliez le jeûne à la prière de la persévérance, vous allez voir que le feu peut descendre chaque jour. Le feu peut descendre chaque jour dans vos vies. L'exaucement de Dieu, chaque fois que le feu descend, alors l'exaucement est là. Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Il est venu pour donner la prière de l'exaucement. Et nous avons besoin de saisir. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit que le Saint-Esprit, quand Jésus montera au ciel, il nous baptisera de 2 baptêmes, du Saint-Esprit et du baptême de feu. Pourquoi? Parce que la première dimension, c'est le baptême du Saint-Esprit, et la deuxième dimension, c'est le baptême de feu. Mais ces deux dimensions sont là pour que quand nous allons prier, à cause du baptême du Saint-Esprit, nous allons sentir la présence de Dieu. Mais à cause du baptême de feu, nous allons savoir, chaque fois que Dieu exauce, dès que le feu descend, c'est qu'on est exaucé. On n'a plus besoin que de prier pour ce sujet, parce que ce sujet est exaucé. Et quand il est exaucé, on a simplement besoin de dire merci à Dieu. La Bible nous dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'expérimenter cela. Il y a certains chrétiens qui ont expérimenté simplement le baptême du Saint-Esprit, mais n'ont jamais expérimenté le baptême de feu. Pourquoi? Parce que le baptême de feu est quelque chose de totalement différent. Dans le baptême de feu, il y a une explosion de la gloire de Dieu qui commence à se manifester sur la vie d'un homme, dans lequel l'homme n'est plus du tout pareil. Le feu commence à le saisir.
le feu commence à le bouleverser, comme Samson qui était bouleversé par le Saint-Esprit, qui était saisi de l'Esprit à cause du feu. Moi, le jour où j'ai expérimenté le baptême de l'Esprit, c'était deux choses différentes. La première fois, quand j'ai lu la Bible, en lisant la Bible, j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue, en d'autres langues. Mais quand le baptême de feu est descendu, l'esprit de prière a saisi, m'a saisi également. Les dons spirituels sont manifestés les uns derrière les autres. D'un coup, en un seul coup, la gloire a commencé à descendre. Je n'étais plus du tout le même homme. Jusqu'à aujourd'hui, le feu m'a changé totalement. Mais pour avoir le baptême de feu, j'ai dû commencer à prier. J'ai dû commencer à chercher Dieu. J'ai commencé à jeûner. Jusqu'à ce que le feu commence à me toucher. Mais quand le baptême de feu était là, chaque fois qu'ensuite je rentrais dans la prière et que je voulais un exaucement jusqu'à aujourd'hui, j'y allais jusqu'à ce que le feu descende. Et quand le feu descendait, je savais que l'exaucement était là. Ce sont des signes que Dieu nous a donnés pour que nous puissions savoir. Vous savez, le christianisme n'est pas simplement on essaye de gratter pour voir si on a joué ou on a gagné ou on a perdu. Beaucoup de chrétiens prient. Et ils disent, si Dieu exauce, c'est que c'était sa volonté. Si Dieu n'exauce pas, c'est que c'était pas sa volonté. J'aimerais vous dire que cette mentalité de pensée est un mensonge terrible. Parce que le Dieu que je sers n'est pas un Dieu qui, un jour, si il t'exauce, ça marche, c'est sa volonté. S'il t'exauce pas, c'est pas sa volonté. Ça, c'est un mensonge du diable. Le Dieu que je sers a dit que tout est possible à celui qui croit. Et que l'exaucement total se trouve dans des caractéristiques que nous pouvons analyser, des caractéristiques que nous pouvons voir, des caractéristiques que nous pouvons sentir dans le monde visible et invisible. Et que chaque fois que le feu de Dieu descend, c'est que l'exaucement est là. Chaque fois que nous avons prié, toutes les prières que nous avons priées ont été entendues au ciel. Mais toutes les prières n'ont pas eu l'exaucement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de persévérance. Parce que nous n'avons pas été déterminés. Alors j'aimerais vous dire que quelqu'un vous a volé vos prières. Est-ce que c'est Dieu qui vous a volé les prières? Ce n'est pas Dieu qui vous a volé les prières. C'est Satan qui est venu vous voler les prières. C'est Satan qui est venu vous les voler par l'incrédulité, par le doute, et parce que vous ne saviez pas comment reconnaître les temps de l'exaucement. Il y a les temps de l'exaucement. Et c'est pour cela que si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, commencez à demander que le feu du Saint-Esprit vous touche. Si vous n'avez jamais reçu le feu du Saint-Esprit sur vous, vous avez peut-être été baptisé du Saint-Esprit, vous avez parlé en d'autres langues, vous avez expérimenté peut-être quelques dons, mais si le feu de Dieu ne vous a jamais touché de la tête aux pieds, au point que vous sentiez que ça brûlait, alors commencez à appeler le feu, commencez à demander le feu, commencez à demander le baptême de feu, jusqu'à ce que le feu descende sur vos vies. Quand le feu descend sur vos vies, vous êtes là maintenant un homme, une femme prêt à entrer dans ce qu'on appelle la deuxième phase du christianisme, qu'on appelle la prière de l'exaucement. Quand tu pries, tout ce que tu demanderas à mon nom au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À cause du feu qui descend sur ta vie, tu sais que l'exaucement est là. La Bible nous dit que Dieu est en dehors du temps, en dehors des circonstances. Chaque fois que tu entres dans un temps de prière, tu changes l'atmosphère du temps. Parce que tu es dans un temps numéraire, tu es dans un temps analogique dans lequel tu peux compter les heures, mais quand tu entres dans la prière, tu entres dans un autre temps qu'on appelle le temps de l'éternité, où le temps n'a plus la même valeur, où tu peux passer du passé au futur en un instant. Tu peux comprendre et saisir toutes les dimensions. La Bible nous dit que Daniel, alors qu'il était entré dans un temps de prière, est entré dans une nouvelle saison où il a vu le futur. Nous pouvons voir Jean sur l'île de Patmos, alors que nous sommes dans le Nouveau Testament, en train dans un temps de prière. Il était prisonnier. Tout d'un coup, il entre dans une dimension du futur et il voit le futur. Nous pouvons voir Moïse. Moïse, alors qu'il était dans le temps du Mont Sinaï, dans le temps de la gloire, quand il était en train de prier, quand il était en train de passer du temps avec la personne du Saint-Esprit, avec la présence de Dieu, la Bible nous dit que Dieu lui a ouvert les yeux, il lui a montré tout le passé. Moïse, c'est lui qui a écrit le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, tout le Pentateuque, c'est Moïse qui l'a écrit. Comment il a pu écrire ça? Comment il a pu voir Abraham?
Comment il a pu voir Adam et Ève? Comment il a pu voir tout ce qui se passait? C'est quand il était sur la montagne avec Dieu, dans le temps de la prière. Dieu a commencé à lui ouvrir l'esprit et il a commencé à lui révéler le passé. Il a commencé à lui montrer les choses. Il lui a commencé à lui expliquer tous les mystères de la création. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut savoir tout ce qui s'est passé. Parce qu'un homme a pu être dans la présence de Dieu. Il a vu le passé. Un autre homme, Daniel, Ézéchiel, ont vu les dimensions du futur. Ont vu toutes les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Jean a vu tout ce qui est en train de se... tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il a écrit l'Apocalypse. Des hommes ont su chercher la présence de Dieu. Ont expérimenté un autre temps. Ils ont vu certains le futur. D'autres ont vu le passé. D'autres ont vu le présent. D'autres savaient que c'était le temps, maintenant, de chercher la présence de Dieu. Parce que maintenant, Dieu allait faire quelque chose de nouveau. Tu ne sais pas ce que Dieu a pour ton futur. Tu ne sais pas toutes les choses que Dieu a pourvues. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne rentres pas dans sa présence. Si tu entres dans sa présence, Dieu peut te révéler le futur. Dieu peut te révéler ton futur. Dieu peut t'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Regardez Job. À un moment donné, dans le temps de sa vie, il est passé par des épreuves terribles, par des temps terribles. Tous ses amis qui étaient là ne pensaient jamais que le futur de Job allait changer. Ils étaient là, en train de lui dire, oui, mais toi, tu parles d'une manière, tu parles d'une autre. Mais la pensée de Job était quoi? Je veux présenter ma cause devant Dieu. Et alors qu'il dirait ça, je vous dis qu'il ne disait pas simplement ça d'une seule manière, mais qu'il continuait à chercher Dieu, qu'il continuait à s'appuyer sur Dieu dans le moment de la difficulté, dans le moment de la maladie, dans le moment où tout lui était enlevé, dans les moments de deuil. Imaginez tous les enfants qu'il a perdus. Imaginez tout l'argent, tous les millions et les millions qu'il avait, tout perdu d'un coup en un seul jour. Et malgré ça, que tout le monde le prenait pour un fou, ses propres amis, sa propre femme lui disaient « Maudit Dieu, il meurt !» Mais il a dit « Non, je vais persévérer à chercher Dieu. Je vais persévérer à chercher Dieu coûte que coûte. » Et la Bible nous dit que Dieu s'est révélé au milieu de la tempête. Quand on nous parle de tempête, on peut lire la Bible comme ça et on dit « Voilà, Dieu se révèle au milieu d'une tempête. » Tu vas croire peut-être que la tempête c'était la pluie qui est tombée, qui est descendue et Dieu s'est révélé. Quand la Bible nous dit que Dieu se révèle au milieu de la tempête, c'est que Dieu s'est révélé à Job en plein milieu de ses difficultés, en plein milieu de ses problèmes. Alors que Job ne voyait même plus le bout, mais qu'il disait malgré cela, je veux persévérer à chercher Dieu, à savoir ce que Dieu dit. Tous ceux même qui lui ont parlé mal, tous ceux même qui l'ont critiqué, Dieu a dit pour ces gens, s'ils veulent être de nouveau en règle avec moi, ils doivent revenir chez Job et lui demander pardon. Ne regarde pas sur tous ceux qui ont parlé du mal de toi, ne regarde pas sur tous ceux qui t'ont méprisé, ne regarde pas sur tous ceux qui ont rigolé de toi pendant que tu passais pendant les temps difficiles. Si tu passes du temps dans la présence de Dieu, au milieu de ta tempête, au milieu de ton moment difficile, Dieu peut te relever la tête et tous ceux qui ont rigolé, ils seront obligés de revenir, c'est obligé. Amen. Mais cela va coûter un prix. Cela va coûter un prix de rechercher la présence de Dieu, d'appeler le Saint-Esprit. Comment on peut parler à Dieu? Dieu est au ciel, le Père est au ciel. La Bible nous dit que le Fils est à sa droite. Le seul Dieu qui est sur terre et dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Le seul Dieu qui est au ciel et sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc si les gens ne veulent pas parler avec le Saint-Esprit, ils ont beau dire Père, ils ont beau dire Jésus, ils sont loin de Dieu. Et leur manière de faire, leur manière de prier, leur même manière de s'approcher, démontre qu'ils sont loin de Dieu. Parce qu'ils prient au Père qui est loin. Ils prient au Fils qui est loin. Alors que l'Esprit qui est près, on le rejette, on le refuse.
et on fait comme s'il était simplement une puissance. J'aime quand le Saint-Esprit manifeste sa gloire. J'aime quand le Saint-Esprit manifeste sa puissance au point que les gens parlent en langue, les gens prophétisent, les gens sont dans la gloire, les gens sont sous l'onction. Mais si on ne fait que ça, et qu'on ne parle jamais de sa personne, et qu'à un moment donné, on s'arrête, et on dit, Saint-Esprit, viens, sois maintenant, nous voulons t'honorer toi, pas simplement une manifestation, mais ta personne. Alors tout ce que tu as pu vivre ne te servira à rien, parce que tu auras négligé sa personne. Tu auras négligé sa présence. La présence de Dieu est quelque chose de réel. Et plus que je commence à le connaître, plus que je grandis dans sa présence, plus que j'ai découvert que c'est la personne la plus importante pour moi, la plus réelle pour moi qui soit sur terre. Il n'y a pas de personne plus réelle que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de personne plus réelle pour le Saint-Esprit pour ma vie. Parce que c'est quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. C'est quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout, qui comprend tout. Et qui peut tout bouleverser. Qui peut te relever quand tu es le plus bas. Et qui peut t'amener dans une dimension de gloire que tu ne pensais jamais. Le Saint-Esprit, c'est lui qui équipe. C'est lui qui donne la connaissance. C'est lui qui montre les choses. Qui démontre les choses. Et c'est lui qui te oint. Quand Jésus a parlé du Saint-Esprit, avant qu'il parte au ciel, la Bible nous dit, il a soufflé sur ses disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et il leur a dit encore une parole. Il a dit, vous allez recevoir une puissance. Celle du Saint-Esprit. On ne nous dit pas, vous recevrez la puissance qui s'appelle Saint-Esprit. Et il a dit, vous recevrez une puissance de la part d'une personne. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est quand vous recevez la puissance que le Saint-Esprit vous donne que vous êtes témoin. Jusqu'avant, on essaye d'être des disciples. On essaye de faire les recommandations de Dieu. Mais on n'est pas témoin oculaire de ce que Dieu fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut aller parler aux gens de la part de Dieu. Si nous-mêmes, nous n'avons pas expérimenté le miraculeux de Dieu, tu ne pourras pas parler à ces gens du miraculeux, parce que tu ne l'auras pas expérimenté. Si tu vas parler à des gens, parle-leur seulement déjà de ce que tu as vécu avec Dieu. Amen. Si tu as expérimenté le salut, parle-leur alors du salut. Parce que ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit va te rendre témoignage. Mais si seulement nous allons parler des choses, vous savez, il y a des gens qui vont parler des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Mais le Saint-Esprit ne va pas rendre de témoignage. Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas expérimenté. Et c'est pour cela que quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est là où nous expérimentons. Nous expérimentons quelque chose pour pouvoir donner aux autres. Tu ne pourras que donner aux autres ce que tu as toi-même. Si toi-même tu ne l'as pas, tu ne pourras pas donner aux autres. Amen. C'est pour cela que nous avons besoin de prendre du temps avec le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais expérimenté la guérison, alors prends du temps avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je vais expérimenter la guérison pour pouvoir donner la guérison aux autres. Si tu n'as pas expérimenté le miracle, alors dis Saint-Esprit, je veux expérimenter le miracle pour donner un témoin oculaire du miracle et pour communiquer ce miracle aux autres. Si tu n'as pas expérimenté encore la paix en tant que chrétien, alors cherche la paix. Cherche la paix intérieure. Dis Saint-Esprit, je vais expérimenter la paix pour que quand je parle de toi, les gens expérimentent la paix. Si tu n'as jamais expérimenté de joie, avant de parler de joie, appelle la présence de l'Esprit et dis-lui, remplis-moi une fois de ta joie. Montre-moi ce que c'est la joie de l'Esprit, que je puisse connaître. Vous avez des chrétiens qui sont toujours découragés, décourageants, qui sont toujours en train de pleurer, de pleurnicher. Alors ça, c'est des gens qui n'ont jamais connu la joie de l'Esprit. Si ces gens vont parler à d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu de la joie de l'Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas communiquer cette joie parce que toi-même, tu ne l'as pas expérimenté. Donc au lieu de te plaindre, au lieu de vivre dans un temps d'angoisse,
dans un temps de dégoût, commence à dire, Saint-Esprit, fais-moi expérimenter la joie divine. Fais-moi expérimenter la joie divine pour que maintenant, quand je vais parler de cette joie, toi, tu vas être témoin, tu vas être mon témoin que je l'ai expérimenté. C'est ça qu'on appelle être témoin. Ça veut dire, là, Jésus nous parlera, quand il parlera de son témoignage, il dira, le Père témoigne de moi. Moi, je témoigne du Père. Et le Saint-Esprit témoigne de moi. Est-ce que vous saisissez? Quand on parle de témoin, on nous parle toujours de la déposition de deux ou trois personnes. Et quand la Bible nous parle que nous sommes des témoins, nous devons être des témoins devant les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il y a notre propre témoignage. Mais ce témoignage doit être accompagné du témoignage de l'Esprit pour être validé. Et c'est pour cela que je vous ai dit que si on n'a pas expérimenté, le Saint-Esprit ne peut pas valider. Ne peut pas valider notre témoignage. Mais si nous avons expérimenté dans le lieu secret, expérimenté la paix, expérimenté la joie, expérimenté l'amour, expérimenté les dimensions de sa présence, quand tu vas parler de ça, le Saint-Esprit va rendre témoignage. Et quand le Saint-Esprit rend témoignage, ce que tu as vécu va être communiqué. Ce que tu as, le Saint-Esprit va communiquer. Si tu ne l'as pas, tu peux faire tout, monts et merveilles. Tu peux écouter tous les conseils du monde. Vous savez, des fois, on peut écouter, aujourd'hui même sur Internet, tu vois, sur Internet, on va te dire, voilà, tu peux évangéliser de cette manière, tu peux parler de cette manière, tu peux parler de cette manière. Comment ça se fait? Certains vont le faire, ils vont avoir l'impact. D'autres vont faire la même chose, il n'y a aucun impact. Zéro. Alors on se dit, ah, mais non, mais c'est de la persévérance, il faut persévérer. Ce n'est pas une question de persévérance. C'est une question de témoignage. Si nous connaissons le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit a rendu ce témoignage en nous, ce témoignage sera possible aux autres. Si ce témoignage n'a pas été rendu possible dans nos vies, tu pourras faire monts et merveilles. Tu pourras faire tous les efforts que tu veux. Tu pourras écouter tous les discours que tu veux. Le témoignage ne t'accompagnera pas. C'est comme ça, c'est une loi spirituelle. C'est une règle spirituelle. Mais par contre, quand tu as passé du temps dans la présence de Dieu et que ce témoignage t'accompagne, partout où tu iras, ce témoignage va t'accompagner. Regardez, la Bible nous dit même que pour l'établissement des diacres, les apôtres n'ont pas dit, bon, allez, on va voir c'est qui est bien. La Bible nous dit, ils ont demandé à l'Église une chose. De toutes les personnes qui sont là, quels sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit? Quels sont ceux que l'Église témoigne? Qu'ils sont remplis du Saint-Esprit pour faire une œuvre dans l'Église, si ce témoignage n'a pas été donné, on ne peut pas les poser. Et quand l'Église a dit non, nous connaissons, nous voyons que ceux qui ont expérimenté une dimension de l'Esprit et qu'ils sont toujours remplis du Saint-Esprit, qu'on voit qu'ils ont une communion, c'est Étienne et Philippe. Il y en avait sept en tout. Mais des sept autres, on n'a pas plus parlé. Mais les apôtres ont dit, ok, d'accord, si c'est ces sept que vous-même vous avez vu, vous savez, il y a 3000 personnes qui ont dit la même chose. L'église primitive, il y a eu plus de 3000 personnes. Ils ont tous dit la même chose. Alors ils ont prié pour eux, ils ont imposé les mains. Ils ont dit, à cause du témoignage que vous avez, maintenant, vous rentrez dans un nouveau témoignage dans lequel vous allez avoir le respect de toute la communauté, vous allez faire partie des responsables des anciens. À ce moment-là, dès que l'imposition des mains a été communiquée, le témoignage qui accompagnait Pierre, Paul, qui accompagnait tous les apôtres, ont commencé à accompagner Étienne et Philippe. Des simples diacres ont amené une vie nouvelle dans toute l'église, et là où ils allaient, le témoignage les accompagnait. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de mon message. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Et dans ta communion avec le Saint-Esprit, commencez maintenant à développer toutes les choses que tu n'as pas expérimentées jusqu'à aujourd'hui. Ne cherche pas à aller parler des choses simplement parce que tu les as entendues, mais toi tu ne les as jamais expérimentées. Ça ne produira pas du fruit. Si tu veux produire du fruit, expérimente des choses avec l'Esprit et commence à le déclarer. C'est ce que j'ai essayé aussi moi-même de mettre en pratique. Les choses que je n'ai pas expérimentées avant de pouvoir même en parler, j'aime d'abord l'expérimenter avec Dieu. Quand je commence à l'expérimenter,
je peux en parler. Et c'est ça qui a amené un témoignage toujours plus grand et toujours plus de témoignages parce que j'ai commencé à expérimenter des choses. Amen. J'aime parler des choses. Et vous savez, vous êtes plus à l'aise dans les choses que vous avez expérimentées que des choses que vous n'avez pas expérimentées. Si je te demande de parler d'un sujet à des personnes croyantes ou non croyantes que tu n'as pas expérimenté, tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise parce que tu ne connaîtras rien du sujet. Mais si je te dis, voilà, peut-être qu'il y a des personnes croyantes ou non croyantes, tu vas leur parler de quelque chose que tu as vécu, de quelque chose que tu as expérimenté. Là, tu seras plus à l'aise. Et le Saint-Esprit accompagnera ton témoignage pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et Seigneur, je veux vraiment te mettre à l'honneur en cette soirée. Et je te demande qu'ici, dans l'église et aussi sur le net, tu trouves, Seigneur, des personnes, des hommes, des femmes, qui vont commencer à expérimenter quelque chose de nouveau avec toi. Que, Seigneur, des hommes, des femmes qui vont commencer à te rechercher. Et je te demande, Seigneur, que les témoignages que j'ai pu expérimenter leur soient libérés, leur soient communiqués. Les témoignages de guérison, les témoignages de miracles, les témoignages de résurrection, les témoignages, Seigneur, de manifestation de gloire divine, les témoignages, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans lesquels tu commençais à te mouvoir, ou même, Seigneur, j'ai vu les finances se multiplier, que, Seigneur, cela puisse être libéré puissamment, et que quand ils vont être dans ta présence, ils vont vivre un temps de rafraîchissement, un temps de gloire, et que tu vas faire vraiment des réels témoins qui vont produire du fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Seigneur, je les bénis maintenant, et je déclare ta grandeur et ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen.